Omega est une unité d'appui et de recherche ainsi qu'une plateforme nationale dont la mission est de développer des circuits intégrés pour les détecteurs de physique des particules et d'astrophysique. Les détecteurs pour la physique des particules permettent d'identifier et de caractériser les particules subatomiques telles que les bosons, les leptons et les hadrons issus de collisions de protons par exemple créées au sein d'accélérateurs. Cette caractérisation permet d'étudier les constituants ultimes de la matière et de comprendre les origines de l'univers. La performance de ces détecteurs est étroitement liée à leur électronique associée, ce qui exige pour leur lecture des circuits microélectroniques spécifiques, que l'on nomme aussi ASIC pour Application Specific Integrated Circuit. Tout comme les circuits qui équipent les appareils électroniques du quotidien, nos ASIC intègrent sur quelques millimètres carrés des centaines de millions de transistors que nous assemblons pour réaliser des fonctions électroniques qui lisent, mettent en forme et numérisent les signaux issus des détecteurs. Cette miniaturisation a véritablement révolutionné les détecteurs avec notamment l'augmentation du nombre de voies de détection, jusque plusieurs millions, tout en conservant la compacité des détecteurs. Pour relever les défis de ces détecteurs, Omega a conçu, et ce toujours au sein de grandes collaborations internationales, des circuits innovants qui fournissent avec précision les caractéristiques spatiales, énergétiques et temporelles des particules générées lors des collisions. Ces dernières années, Omega a ainsi pris de fortes responsabilités dans la conception de circuits intégrés développés dans le cadre de l'augmentation par un facteur 10 du taux de collision au sein de l'accélérateur LHC au CERN à Genève, lequel a permis la découverte du boson de Higgs en 2012. La force du laboratoire Omega réside dans son haut niveau d'expertise à la fois en analogique et en numérique. Cette double compétence permet de résoudre les difficiles problèmes de voisinage entre des signaux analogiques parfois très faibles auprès de signaux numériques rapides. Ces problèmes de couplage, accrus dès lors que l'ASIC est connecté au détecteur, exigent un savoir-faire et une expertise très peu répandue. L'autre force d'Omega est d'être un laboratoire très spécialisé qui regroupe 12 permanents aux compétences très complémentaires. Cette taille et structuration optimale nous assurent de l'agilité ainsi qu'une forte réactivité et efficacité dans toute la chaîne de conception. De plus, l'exploitation des synergies entre les différents projets sur lesquels nous travaillons nous permet d'anticiper les futurs besoins des détecteurs et donc de nous positionner sur de futurs développements d'ASIC. Ainsi, en 10 ans, Omega a pu concevoir une quinzaine de circuits complexes et prendre la responsabilité de leur production en milliers d'exemplaires pour équiper divers détecteurs. L'intégration au sein de nos circuits de nombreuses options d'utilisation et la création d'une start-up ont aussi permis leur valorisation vers d'autres domaines tels que l'imagerie médicale, le spatial et la voiture autonome. Nos prochains défis techniques sont bien sûr liés à ceux des détecteurs avec l'augmentation de la complexité et de la performance requise pour les circuits tout en réduisant leur puissance dissipée d'un facteur 10. Ceci exige de revoir en profondeur les architectures actuelles et de choisir un nœud technologique qui garantisse à la fois la performance et des coûts de fabrication raisonnables.